Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la pression lave de l'été et on est sur une petite déception quand même. Donc déjà, pourquoi la box de l'été? Parce qu'en fait je me suis dit pour c'était de faire une double box. Pourquoi je mets des guillemets à double? Parce que pour moi ce n'est pas une double box, mais voilà, on parlera de ça à la fin de la vidéo. Et du coup ce qui fait que on a payé donc 40 € mi-juin pour les 2 mois. Et du coup aussi cette box est donc la dernière de mon abonnement. C'était pas parce que je suis déçue de celle-là, ça n'a rien à voir avec ça, ça fait au moins 3 mois que j'ai décidé de ça. Mais déjà parce que donc l'année prochaine je vais donc en prépa, j'ai déposé mon dossier ce matin. Ça y est, il n'y a plus de retour en arrière, c'est bon, c'est fini, voilà. On peut plus dire on n'y va pas finalement. J'aurais déjà beaucoup moins le temps de prendre soin de moi. À l'internat, c'est sûr, je ne prendrais même pas de quoi prendre soin de moi. Je prendrais gel douche, shampoing, nettoyant visage, déo, parfum et crème. Voilà, crème visage et puis c'est bon, on sera bon. Voilà, parce que je n'aurai pas le temps et puis c'est rien, j'emmène 40 millions de choses. Et le week-end, si je peux prendre soin de moi, ce sera bien, on va dire que ce sera quand même beaucoup moins que maintenant. Même si vu l'état de ma peau, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Je ne pense pas. Et aussi, voilà, j'ai beaucoup de stock parce que j'achète beaucoup aussi, je l'avoue, mais du coup ça en rajoute et ça ne servirait vraiment à rien. Voilà, donc bon, quand même la boîte est quand même jolie, donc en fait il fallait la retourner. Alors j'avoue que, bon, je pense que je vais la garder quand même. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Bon, au pire, ça partira en boîte pour Vinted. Voilà, pas vendre la boîte comme ça, hein, mais pour emballer les colis. Voilà, parce que du coup, bon, je vais vous cacher là, mais en fait, quand je l'ai reçue, donc c'était comme ça. Enfin, c'est juste moi qui l'ai retourné. Donc du coup ce mois-ci on a ces 2 mois du coup on a un prescripteur un peu plus gros que d'habitude. J'ai même pas été regarder les prix des produits PL parce que oui on a 2 produits PL. Bon au moins c'est déjà ça, bah du coup vu qu'il y a 2 mois, 2 produits PL. Voilà, c'est pour les prix. Ensuite on a 10 tirages photos Cheers, donc ça tombe bien vu que j'ai des photos à faire développer. Et ça c'est sur les poulettes, donc c'est un truc de vêtements de sport, on a une claque à dos de 15 €, donc j'irai voir ce qu'ils peuvent proposer. Alors du coup déjà comme premier produit on a une Fouta qui est comme ça, donc elle a des petits pompons au bout. Franchement elle est quand même jolie, elle sent bon parce qu'en fait il y a un produit dans la box qui sent bon. Bon, je vais quand même la laver hein, mais ça sera pas mal, je vais l'emmener avec moi en été, en vacances je veux dire, quand je partirai à la plage bretonne, elle m'accompagnera, donc ça on peut quand même le compter comme un produit, mais voilà. Ensuite le pochon est pas mal mignon quand même, surtout qu'en fait les petits nœuds ils sont roses, on trouve ça pas mal. Et en fait c'est pourquoi là je vous dis, pour moi c'est pas une double box parce qu'on a seulement 7 produits. Sauf qu'en fait chaque mois on a 5 produits et en fait là les 7 produits c'est l'équivalent qu'on a au mois de décembre, sauf qu'au mois de décembre on paye 20 € et pas 40 €. Donc pour moi c'est pas une double box, au moins une double box ça aurait été d'avoir mis 10 produits en tout. Et parce que même si on compte la Fouta ça fait 8 produits et on va dire qu'on va compter le carton comme un produit parce que bon, on s'en sert après. Moi c'est pas un produit mais bref, on est quand même qu'à 9, donc là, pour moi c'est clairement pas assez. Bon après le total on a clairement pour notre argent, je le sais parce que je viens de voir les 2 produits PL, il y en a pour plus de 40 €. Mais bon, alors du coup au niveau des produits PL, tout d'abord on a une brume éclat visage, donc à la mélisse et à la rose de Damas. Donc là c'est un produit qu'on vient utiliser avant l'application de nos soins tout au long de la journée. Donc là je pense que c'est le genre de produit que je vais utiliser après le micellaire, histoire de sprayer un petit peu pour... Voilà, ouais. Ça sent... Oh, un peu sur la bouche. Ça sent très bon et je pense que là, ça permettra de nettoyer un peu. Après t'essuies un petit peu, tu fais un petit mouvement de friction sur ta peau.
Ça, bon, ça sent bon quand même, j'aime bien. Ça sent très bon, donc là c'est quand même pas mal sympa. Et du coup, ça c'est 14 euros les 50 ml. Et l'autre c'était. Allez, parce que moi j'ai eu l'éclat et l'autre c'est purifié, donc c'est version zinc plus amamélis. Donc c'est bien que j'ai eu la coupe d'éclat parce que purifiant, je pense que ça m'en fait plus de mal que de bien. Et donc l'autre produit PL que nous avons, c'est le fuit de lumière perfecteur. J'aime bien le packaging. Donc en fait, c'est un produit qu'on vient mettre soit avant la crème ou soit à la place de la crème. Et en fait, ça permet d'illuminer le visage. Donc ça, je trouve ça pas mal quand même. Et on est à 25, 29 euros, pardon. Ah ouais, d'accord. On est à 29 euros les 50 ml, sauf que là, on n'a que 30 ml. Donc c'est bien la première fois que leurs produits PL ne sont même pas en format full size. La brume, si, mais ça, non. D'accord, bon bah voilà. Donc en fait, en payant 20 euros de plus, ouais, bref. Bon, en tout cas, le produit est bien. Ensuite, alors, on a reçu de la marque Exertier. Enfin, Exertier, le miracle du miel. Donc, en fait, c'est un nettoyant visage sous la douche à la gelée royale. Donc, nettoyant et éclat. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que je l'ai emmené en vacances. Ça fait pas mal. C'est un petit un format de 100 ml. Ça, c'est pas mal du tout. Un petit nettoyant visage. Ça que j'ai hâte de tester. Je pense qu'il va être très bien. Ensuite, on a de la marque Shaery. En fait, c'est un scrub cheveux et corps. Et en fait, je pense que dedans, il doit y avoir des agents nettoyants parce que derrière, c'est marqué comme quoi masser puis bien rincer, complété par un soin lavant. Voilà. En fait, il parle pas de nettoie et purifie en douceur le cuir chevelu. Donc, je testerai une fois pour voir si ça lave vraiment les cheveux. Après, bon, ouais, là, aujourd'hui, tiens. Vu qu'aujourd'hui, je dois me laver les cheveux, je testerai. Et je vous dirai, je connais pas du tout la marque. Ouais, sympa comme tout. Ensuite, un petit masque de nuit de la marque Cadalys. Donc, c'est à la banane rose et au gingembre. Donc, c'est le Pink Glow. Ça, j'ai découvert grâce au masque de nuit La Neige. J'aime bien ce petit principe de mettre un masque la nuit. Je trouve ça assez sympa. À 100% d'origine naturelle et vegan. Donc, ça, c'est très cool. Par contre, le format, on est sur du 30 ml. Bon, après j'ai ça, mais la neige, on a eu un full size et je l'ai pas terminé. Ensuite, de chez René Futurer, on a un petit masque pour les cheveux, donc Rituel Nutrition. Masque nutrition intense, cheveux très secs, donc ça à 30 ml. Mais donc ça, un masque, ça me choque moins, parce que masque pour les cheveux, parce que du coup, ça, on l'emmène en vacances. Je pars 15 jours en vacances, clairement 30 ml, ça me fera bien les trucs, je pense. Et au pire, je pense mon approche point avec. Mais bon, en plus la marque René Futurer, c'est une très bonne marque. Et ensuite, il y a quelque chose de pas mal du tout. Et je pense, ça, j'ai hâte de tester. C'est un après-soleil solide. Et en fait, c'est un produit qu'on va venir frotter entre nos mains. Et en fait, on va, avec la mousse, on va l'appliquer sur le corps. Et appliquer la mousse et masser et puis rincer. Voilà, en fait, c'est un produit qu'on va venir utiliser. Sous la douche, en fait, je pense que c'est un savon qui nettoie et qui, du coup, avec l'huile de coco et la fleur d'oranger, va permettre de nourrir la peau après l'exposition au soleil. Voilà pour la box. Ouais, je trouve ça un peu léger, quoi. D'avoir payé 40 euros pour ça, je trouve ça un peu léger, quoi. Donc, ouais, franchement, je suis assez déçue. Surtout qu'en fait, du coup, on s'est fait bah, rouler quand même parce que, bah, en soi, si on avait eu deux box pendant l'été, on aurait eu en tout 10 produits et là, on a bah, que 7 quoi. Donc, voilà, un petit peu déçu. En fait, les produits sont bien, mais c'est juste que, voilà quoi, pour moi, on n'est pas du tout gagnant dans l'histoire. Certainement qu'au niveau des prix, forcément, bah, j'espère en tout cas, que voilà, on en a plus dans la box que ce qu'on a payé. Mais bon, ça, voilà, c'est pas. Mais juste ce que j'aime pas, c'est le truc de dire double box. Au pire, ils auraient pu dire on fait une box en juillet et il n'y aura pas de box au mois d'août. Et voilà, c'est tout. Et on aurait réussi. Bref. Dans tous les cas, j'ai prévu d'arrêter.
Donc voilà, donc du coup là c'est ma dernière OPL. Voilà, je sais pas si j'en prendrai un jour ou pas. Je sais pas si je reprendrai une autre box un jour ou pas. On verra bien. Mais voilà. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.